Bonjour tout le monde et bienvenue, voici Kita et voici Kamal. Kamal et Kita, c'est la chaîne. Pour tous ceux qui découvrent nos visages, eh ben écoutez, bienvenue, bonjour à tous. Pour ceux qui nous connaissent sur la chaîne principale, bienvenue également à vous. Et du coup, enfin, petite vidéo en facecam parce que eh ben, ça va être l'occasion, ça nous est tombé dessus, le trailer officiel de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, vient de sortir. Alors, bah voilà, c'est inédit, habituez-vous parce que bah, on fera des réactions live pour les épisodes. Et du coup, c'est le tout premier, l'épisode 0. Voici le trailer enfin de la saison 4. Qu'est-ce qu'on sait dessus, Kamal? On sait que c'est pas le même studio, ça y est, c'est confirmé, ce n'est plus 8 studios qui travaillent sur la dernière saison de Shingeki no Kyojin, mais bien une nouvelle équipe MAPPA Studio. Il y aura toujours un certain parti pris esthétique qui va pas changer. Isayama a confirmé que cette saison ira jusqu'au bout du manga. On a du coup, à ce qu'on a compris, Sayano qui est toujours à la musique, mais qui va être du coup en duo avec un autre compositeur. Bref, on fera un décryptage complet, bien sûr, dans une prochaine vidéo qui va arriver prochainement. Mais c'est parti, on profite les amis, putain! C'est parti, on n'a absolument rien vu, on découvre avec vous. Pony Canyon toujours. Premier panel, hein, chapitre 90. Ça prend, ça reprend direct. Hein. C'est l'animé, c'est l'épisode 1 ou quoi là? Oh! Comment on augmente le son, je sais pas. C'est beau! C'est très beau! Falco qui se réveille, Falco qui veut toujours. C'est giga beau. C'est bon, c'est à la fin de la du saison 3, tu sais, de la saison 3, putain, c'est exactement ça. Ah putain. MAPPA Studio. Ça fait bizarre, ça. C'est giga beau, c'est giga beau. Ça fait 8, hein. Oh, oh oui, oui. Premier image de Final. Oh. Dis donc, ça va vite, hein. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Hein. Désolé, on a juste augmenté un peu le son. Oh, ah, ça fait bizarre. Oh, C'est le dialogue Eren du 3D, de la 3D. Oh, mais ça fait tellement bizarre de voir ça! Oh my god! Oh, on l'a enfin! On l'a enfin! C'est le théâtre! Oh! Ça, putain, ça montre tout ma... Waouh! Ça y est! Incroyable! Incroyable! Oh shit, on a eu... Oh! Ça... What? Oh merde! Putain, c'est ouf! À la fin, toutes les images qu'ils ont mis! J'ai vu Ymir! J'ai vu Ymir! Mais c'est... Putain, mais on a Ymir! On a Ymir! Mais what the fuck? 122, chapitre 100... tellement fou. On a le chapitre 122. Oh, mais c'est l'un... C'est Levi! Oh merde, ça fait tellement bizarre! Oh, oh! Mais quel plan incroyable! Oh putain, c'est quand il parle du roi Fritz! Oh merde! Oh avant... putain! Mais quand il est dénoncé et tout! Non, mais il y avait Levi en sang! Quoi? Attends, mais je te jure! Attends! Ce qui se passait totalement. Non. Oh putain! Oh shit, ça spoil énormément en fait. Ah ouais, c'est un truc de malade du cul là. Là c'est vraiment. Oh, ça spoil beaucoup trop. Ils ont aucune rage. Bon, chez encore MAPPA ça Studio. Va. Il a. On vous voit les couilles de chez MAPPA Studio. Là, apparemment donc les images ne sont pas définitives. Hein. Il faut savoir que tout va être retravaillé. C'est pas les images définitives, mais c'est différent. On retient un truc de la direction artistique. Moi j'ai envie de dire vraiment pour le coup. C'est les visages qui sont beaucoup plus fidèles au style d'Isayama. Regarde ça. Wow, t'as vu comme c'est plus du tout pareil. Wow, putain. C'est on va dire que. C'est moins organique. C'est moins, ouais, si vous voulez, en fait, c'est moins brillant, ça va être moins. C'est peut-être moins mis en scène que chez. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire et on va en discuter ensemble dans une analyse détaillée. Vous inquiétez pas, on va revoir toutes les images un petit peu, ça sera beaucoup plus travaillé très prochainement sur la chaîne. Et jusque-là, les amis, bordel de merde.